Il y a des nouveaux étudiants qui ne connaissent pas. Ah, bon. Pardon ? La présentation de mon. Oui, je l'ai présentée d'ailleurs.
Seigneur, tu nous as appelés ici ce soir pour la collation des grâces, mais aussi pour d'autres fonctions concernant la faculté qui est intimement liée à l'Église. Seigneur, nous regrettons que notre cher papa ne puisse pas être parmi nous. Il est malade, mais qu'il puisse converser avec nous, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, Dieu, notre Père. Nous te louons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Idiki sukula, mustangula genza miamla, satana tela mene, ngolo za kutula mene. Idiki sukula, mustangula genza miamla, satana tela mene, ngolo za kutula mene. Idiki sukula, mustangula genza miamla, satana tela mene, ngolo za kutula mene. Izidiki sukula, mustangula genza miamla, satana tela mene, ngolo za kutula mene. Satana tela mene mukutota, tela mene mukumbini savando shaku. Satana tela mene mukutota, tela mene mukumbini savando shaku. Muvita tena. Satana tela mene mukutota, tela mene mukumbini savando shaku. Muvita tena. Satana tela mene mukutota, tela mene mukumbini savando shaku. Muvita tena. Yeah.
Thank you.
Acclamons le Seigneur, toute la terre. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec l'allégresse. Reconnaissez le Seigneur et Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple et son troupeau, son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en les louant. Célébrez et bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Parole du Seigneur, au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. Amen. Citoyen, vice-président et membre du conseil d'administration de la faculté théologique Kimbanguiste. Doyen titulaire et honoraire, exerçant aujourd'hui les fonctions de doyen. Citoyen staff de la faculté. Citoyen et citoyennes étudiants, chers frères et sœurs. Il a plu à son éminence, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, de fixer à la date d'aujourd'hui, 26 novembre 1987, la cérémonie de la rentrée officielle de l'année académique 1987-1985. Il a également décidé de consacrer cette petite cérémonie un hommage bien mérité au docteur Manus Martin. En effet, par décision numéro 198 du 22 mai 1986, son éminence a nommé de nouveaux membres du conseil d'administration à la faculté de théologie kimbanguiste. Il s'agit pour le bureau de Maître Mbungu, président, citoyen de Tezoa, vice-président, citoyen Yogakio, rapporteur, commission des finances, citoyen Gaungu, président, citoyen Kenge, le SEC, citoyenne Luyindola, citoyen et révérend Wanzungasa, commission académique, professeur Mandiango, président, docteur Polo et citoyen Kadiata, commission économique, citoyen LEB, président, citoyen Mouilou Dengenda, et citoyen docteur Bazinga. À l'occasion de la mise en place de ce nouveau conseil d'administration, son éminence, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, a décidé d'inviter docteur Marie-Louise Martin à se retirer de trop lourdes fonctions de doyen de la faculté afin de lui permettre de prodiguer longtemps encore des enseignements combien précieux à la faculté. C'est ainsi que les fonctions de doyen sont exercées à titre intérimaire par le docteur Zola, nommé, quant à lui, vice-doyen de la faculté. En guise de reconnaissance de toute l'œuvre grandiose que le docteur Marie-Louise Martin a réalisé au sein de l'église kimbanguiste en général et au sein de la faculté en particulier, son éminence a décidé de lui consacrer des moments d'hommage. Qui est le docteur Marie-Louise Martin? Marie-Louise Martin, encore enfant, bébé, est née le 12 février 1912. À Lucerne, en Suisse. De 1918 à 1924, il fit les études primaires à Lucerne. De 1924 à 1929, il fit ses études secondaires en section commerciale à Lucerne. Elle a suivi, elle obtint le baccalauréat en 1932
à Lucerne. Elle a suivi les cours de théologie protestante successivement de 1932 à 1934, retournant en Suisse de 1934 à 1935 à Édimbourg, en Écosse, et de 1935 à 1938. Elle retourna en Suisse à Berne et ensuite à Bâle, où elle obtint son diplôme de pasteur sur le thème prédication et catéchèse, après un stage pastoral d'un an à Lugano. Elle parle couramment l'italien, l'allemand, l'anglais, le français, et j'espère le lingala. Elle débuta son travail missionnaire à Lugano en 1938 et à Lucarno jusqu'en 1945, où elle s'occupait des protestants dispersés dans 90 villages et alentours, lesquels alentours elle devait atteindre à bicyclette ou à pied à cause des méfaits de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. En 1946, elle est arrivée en Afrique du Sud, où elle a continué son travail missionnaire à Transvaal, à Lemana, Lemana Training Institution, jusqu'au début de 1957. À la fin de 1957, elle fut transférée au séminaire de théologie à Morija, à Lesotho, et y demeura jusqu'en 1965. Pendant son séjour à Morija, elle s'occupait de l'aumônerie des étudiants de l'Université catholique de Rome et des églises protestantes. En même temps, elle étudiait pour obtenir son doctorat en dogmatique et missiologie. Elle obtint son doctorat en avril 1962, après avoir défendu sa thèse « Doctor et Divinitatis » devant un jury composé d'éminents professeurs. En 1964, elle fut nommée professeure du département œcuménique de théologie à l'Université catholique. À la demande de la mission morave de Suisse, elle obtint un congé d'études pour se rendre au Zaïre, où elle est arrivée à Kinshasa en mai 1968, en compagnie du pasteur Béguin. En vue d'une étude approfondie sur l'Église kimbanguiste, sur sa vie, sa doctrine, son origine et son histoire. Accueillie à Kinshasa par sa grandeur Papa Kisolo Kele et son éminence Dangienda, elle entreprit des voyages avec ce dernier en Kamba, Matadi, Boma, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kisangani, etc. Et en République populaire du Congo pour prendre des contacts avec beaucoup de kimbanguistes et aussi des protestants. À cette occasion, l'idée de créer une faculté de théologie kimbanguiste fonctionnant en collaboration avec la faculté kimbanguiste venait de naître. Et à l'époque, la faculté de théologie protestante existait à Kisangani. Mais cette idée ne fut pas réalisée. Le moment décisif est survenu lorsqu'au mois de mai 1968, se trouvant en voyage à Matadi, son éminence Dangienda, qui s'adressait aux étudiants de secondaire pour les encourager, prononça tout à coup cette phrase prophétique, je cite, « Vous, docteur Martin, vous fonderez notre faculté de théologie. » Elle s'étonna, mais elle dit « Oui, papa », tout en pensant que cela se réalisait si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Et voilà la parole prophétique de son éminence, qui est à la base de l'existence de la faculté de théologie kimbanguiste, en dépit d'énormes difficultés à surmonter. Après son séjour au Zaïre, jusqu'en juin 1980 et 68, elle rentra en Suisse pour témoigner au Conseil des missions suisses et à une commission du Conseil œcuménique des Églises et à la mission morave, que l'Église kimbanguiste était en vérité une Église chrétienne, vivante, allant de l'avant, et qu'elle méritait d'être accueillie au sein du Conseil œcuménique des Églises. À cet effet, un rapport préparé conjointement avec le pasteur Béguin
fut publié sous le titre « La découverte du kimbanguisme ». Rentrée à Kinshasa fin juillet 68, elle devait rejoindre son poste d'attache à Morija à Lesotho, en août de cette même année. Elle saisissait alors chaque fois toute occasion pour parler du kimbanguisme aux églises indépendantes d'Afrique. En février 1969, les autorités sud-africaines l'ont interdit de mettre pied sur le territoire de leur pays et chercher à l'arrêter. Chose extrêmement difficile dans ce pays enclavé qui est le Lesotho, d'où on ne peut sortir que par un petit porteur. Et pour s'enfuir, il fallait absolument qu'il fasse tout pour tourner à Kinshasa. Il fallait alors prendre des petits porteurs pour venir à l'aéroport international sud-africain, mais grâce à Dieu, elle parvint à s'enfuir et elle retourna effectivement à Kinshasa, où elle informa son éminence de ces événements déplorables, que Dieu avait agi secrètement pour la libérer afin de servir l'église kimbanguiste. C'est ainsi que son éminence l'envoya en Europe pour recruter d'autres professeurs mission qu'elle accomplit avec succès. Et elle obtint le soutien de l'église, de la mission morave de Suisse, de la RFA et de la paroisse de Lucerne. À la fin d'octobre 1970, les cours débutèrent dans une salle de classe à l'école primaire de Bongolo, et puis dans le bâtiment administratif. Chaque jour, à partir de 16 heures, et la faculté s'appelait en ce moment-là École de théologie kimbanguiste. Elle était le seul professeur pendant 3 mois, et la plupart des étudiants étaient des gens qui travaillaient pour gagner leur vie, car il n'y avait pas encore de bourse. Ensuite, d'autres éminents professeurs de différentes nationalités se sont joints à elle pour former des pasteurs et aussi les premiers assistants et docteurs kimbanguistes. Au début, le premier assistant fut le pasteur Diakanois. Et l'école bénéficiait aussi de l'aide précieuse des professeurs et assistants de la faculté sœur de Kinshasa, c'est-à-dire catholique et protestante. Les premiers étudiants étaient les citoyens Aaron Luntala, les pasteurs Yav, Bolé Lonchanga et Noël Ntoya, ainsi que les futurs docteurs Ngwapichi et Diakanois. En 1975, son éminence Dengienda déclara que l'école de théologie devait s'appeler désormais École supérieure de théologie. Et finalement, en 1977, elle est devenue Faculté de théologie kimbanguiste, avec un conseil d'administration présidé par sa grandeur Kisolo Kele et un campus qui existe aujourd'hui à Letendele. Voici maintenant la fin de ces efforts qui sont sanctionnés par des diplômes d'études pastorales, par des diplômes de graduat et de licence et bientôt par des diplômes de doctorat. Pour être admis aujourd'hui au campus, l'étudiant doit avoir un diplôme d'État qui atteste qu'il a terminé les études secondaires. Jusqu'ici, 132 pasteurs ont été formés à Letendele et 26 autres de 3 promotions seront bientôt affectés et 11 sont revenus pour obtenir la licence. Le docteur Marie-Louise Martin est un véritable monument vivant que l'Église kimbanguiste et toute la postérité n'oubliera jamais. C'est ainsi que son éminence a décidé que le docteur Marie-Louise Martin restera au sein de l'Église kimbanguiste à la faculté aussi longtemps qu'elle le voudra. Et je cite tout récemment une déclaration du commissaire d'État à l'enseignement supérieur universitaire que, disait-il, je souhaite que vous puissiez un jour vous reposer ici pour que nous puissions vous élever un monument. Docteur, je pense qu'ici, les hommages vont tout droit dans nos cœurs. Soyez fiers de l'œuvre que vous avez réalisée. Vous avez subi sans doute beaucoup de difficultés, parfois même beaucoup d'injustices.
et d'ingratitude. Mais vous connaissez déjà l'Église. Peut-être mieux que certains parmi nous. Je suis sûr que vous nous pardonnerez pour tous ces manquements. C'est pour cela qu'au nom de son éminence et au nom du conseil d'administration de la faculté de théologie et de tous les kimbanguistes, nous vous consacrons doyen honoraire de la faculté kimbanguiste. Des fonctions spécifiques vous seront confiées que son éminence lui-même vous annoncera. Mes chers amis, son éminence est indisposé et n'a pas pu venir, mais je pense que la joie est grande lorsque nous vivons la présence d'un fondateur. La plupart de fois, les fondateurs n'arrivent pas à jouir de leur fondation, mais nous avons la joie de jouir ensemble avec les cofondateurs, le fondateur étant sans doute Dieu vivant, créateur, et son éminence, vous l'avez entendu, mais elle est vraiment la cofondatrice de la faculté. Encore une fois, merci et que Dieu vous protège et vous accorde longue vie. Merci beaucoup. Après la réponse à ce petit mot, nous invitons les doyens honoraires. Président du conseil de la faculté, du conseil d'administration, amis de la faculté, surtout du staff, aussi les amis venus nous réjouir avec leurs cantiques et leur musique de Kinshasa, étudiants, étudiantes, je remercie infiniment des honneurs qu'on m'a donnés et auxquels, au fond, je n'avais pas pensé, surtout quand j'ai commencé la faculté, là-bas dans le petit bâtiment de l'école secondaire et de l'école primaire à Bongolo. Mais nous voici ici aussi au campus. Donc, nous avons commencé, comme vous l'avez entendu, avec presque rien. Et si nous sommes sur ce campus aujourd'hui, nous remercions en premier lieu Dieu, notre Sauveur, l'Église kimbanguiste qui a mis ce terrain à notre disposition, plus beaucoup d'aide. Nous remercions surtout Son Éminence, le chef spirituel, qui malheureusement n'a pas pu physiquement parmi nous, et aussi sa grandeur, Tata Kisolokele, et tous les amis à travers le monde qui nous ont aidés par leurs dons, leurs prières et leurs visites. Dans ces 18 années d'existence, cette institution, d'abord école de théologie, école supérieure de théologie, ensuite faculté, nous avons pu envoyer, comme vous l'avez entendu, et j'aime bien le répéter, 138 pasteurs au service de l'Église et presque une trentaine qui sont prêtes en partie depuis 2 ans pour partir bientôt dans le service de l'Église. Et je suis particulièrement contente que notre premier étudiant là-bas, Pasteur Luntala, est aussi parmi nous. Photographe, mais en particulier pasteur d'un endroit triste, Makala, la prison. Nous avons essayé de faire un pas en avant par une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour mieux servir
le Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité pour nous, pour présenter le Christ vivant parmi nous, dans nos conditions souvent difficiles, pauvres et pécheresses, pour que lui rendions gloire par la parole et nos œuvres, fidèles à l'exemple que le prophète Simon Kimbangu nous a laissé. Nous avons essayé de former des pasteurs missionnaires du Christ au Zaïre, en Angola, ici représentés par une femme pasteur, Maria, et le Congo, par des étudiants, et les pasteurs missionnaires iront encore plus loin dans les pays qui leur seront destinés. Avons-nous réussi? Nous ne pouvons dire, selon Christ, que si vous avez tout fait, dites, nous sommes des serviteurs bons à rien. Luc 17, 10. Vous et moi, nous avons besoin du pardon de Dieu et d'être de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et soyez assurés que j'ai bien pardonné tout ce qui s'est passé et qui n'était pas toujours réjouissant, mais c'est passé. Aux étudiants, j'aimerais encore dire un mot. Cherchez avant tout la présence du Christ afin qu'il vous remplisse de toute intelligence spirituelle, soulignée. Ne cherchez pas seulement une éducation supérieure pour vous enorgueillir d'un diplôme. Ne cherchez pas surtout les trésors de ce monde. Rappelez-vous, si vous êtes en pauvreté matérielle, que le Christ est venu partager cette pauvreté avec nous et penser à sa promesse en Matthieu 6, 24 à 34, que le Père céleste ne vous oubliera pas. Et je répète Matthieu 6, 25 à 34, afin que vous puissiez lire ça ce soir. J'aimerais remercier les collaborateurs académiques, administratif et technique de tous les temps, de leur attachement et leur fidélité. S'il y a eu des différends entre nous de temps à autre, c'est, je dirais, naturel dans une société humaine, laissons tout cela sous la croix du Christ, en nous pardonnant mutuellement. Continuez votre tâche, parfois difficile, avec courage et surtout avec foi et espérance. Au doyen, qui est maintenant à ma place, Dr Zola, je souhaite un travail béni par le Seigneur, beaucoup de patience et de compréhension et sagesse, car la tâche ici est souvent lourde et difficile. Que le Seigneur vous aide et vous inspire. Une parole encore aux finalistes, à vous qui en partie avez attendu 2 ans maintenant, et nous espérons vivement que vous soyez bientôt au ministère. Rappelez-vous, un chrétien est un soldat courageux. Il n'abandonne jamais son poste d'attache, ni si le soleil brûle ou la tempête rage autour de lui. Christ est plus puissant que tout le reste et il reste à vos côtés. Faites honneur à l'Église kimbanguiste, à son chef spirituel, Papa Dyangenda, et à votre faculté
par votre bonne œuvre et parole pastorale. En ce qui me concerne, je me réjouis de donner encore mes cours à la faculté, au moins pour un temps peut-être limité, mais je me réjouis encore presque davantage d'entamer bientôt la tâche, je peux le dire ici, de l'extension, de théologie par extension, à laquelle son éminence avait pensé. Ce serait la bonne occasion de voir une partie de nos pasteurs, vous, les finalistes, surtout aussi vos prédécesseurs, dans vos régions et sous-régions, pour une tâche d'approfondissement de la parole du Seigneur en partageant vos connaissances avec les diacres et diaconesses, avec les longi et kenge, hommes et femmes, avec les jeunes et les vieux, et aussi vous vous occuperez des dirigeants des mouvements que le Seigneur nous guide dans tous ses projets et ses décisions à venir. Je termine encore une fois avec un grand merci pour tout le travail fourni ces derniers temps par le conseil d'administration et son président, Maître Bungu, qui, avec le staff, a arrangé cette cérémonie d'ouverture académique. Je dis un grand merci à vous tous qui ont aidé à préparer cette fête. Vive la faculté kimbanguiste! Vive, vive l'Église kimbanguiste et son chef spirituel! Vive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Facteur de théologie, son éminence a confié la tâche suivante aux membres de ce conseil. Le conseil d'administration de la faculté de théologie kimbanguiste est l'organe supérieur de décision de la faculté de théologie kimbanguiste. Il est revêtu du pouvoir de concevoir, organiser, réorganiser la faculté, voter et de contrôler le budget. Nommer le personnel académique, administratif, technique et autres. Organiser l'enseignement et fixer le contenu des cours. Trancher les litiges académiques et autres pouvant surgir à la faculté. Prendre des sanctions disciplinaires généralement quelconques. Prendre toutes mesures ordinaires ou d'exception nécessaires au bon fonctionnement de la faculté. Ainsi donc, usant de ses pouvoirs, le conseil d'administration de la faculté de théologie kimbanguiste s'est attelé à une tâche de restructuration profonde de cette faculté selon l'esprit de l'ordonnance loi numéro 25/81 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l'enseignement supérieur et universitaire.
Toutefois, cet alignement structurel sur l'ordonnance loi précitée tient compte de la spécificité de l'Église kimbanguiste en ce qui concerne la formation des pasteurs. La réorganisation de la faculté de théologie kimbanguiste a été rendue nécessaire à la suite du constat sur l'incohérence des services et l'organisation inadéquate de la faculté. C'est ainsi que le conseil d'administration a décidé de mettre sur pied les structures organiques ci-après en déterminant les attributions de chaque organe. Organe de la faculté. 1. Le chef spirituel de l'Église kimbanguiste. La faculté de théologie kimbanguiste est une institution de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Le chef spirituel en est le chef suprême. Il exerce son pouvoir par l'intermédiaire du conseil d'administration. 2. Le conseil d'administration. Le conseil d'administration est l'organe supérieur de conception, d'orientation des décisions et de contrôle de la faculté. Ses attributions et sa composition sont définies par les décisions numéro 198 et 199 du chef spirituel de l'Église kimbanguiste du 22 mai 1986. Il les exerce par ses différentes commissions chargées d'assurer le contrôle permanent sur chaque secteur entrant dans leurs compétences respectives. Il fait son rapport d'activité au chef spirituel. La commission académique est chargée d'assurer le contrôle permanent des activités d'enseignement et de recherche. La commission administrative est chargée d'assurer le contrôle permanent sur le fonctionnement des services administratifs, économiques et sociaux. C. La commission financière est chargée d'assurer le contrôle permanent de la gestion budgétaire et financière. 3. Le comité de gestion. Le comité de gestion assure la gestion courante de la faculté sous la direction du doyen et, à ce titre, il est l'organe d'exécution des décisions du conseil d'administration. Composition. Le comité de gestion est composé du doyen, du secrétaire académique, du secrétaire administratif et de l'administrateur du budget. Attribution. Le comité de gestion soumet au conseil d'administration les prévisions budgétaires de la faculté. Il a le pouvoir d'instruire le dossier disciplinaire, d'émettre ses avis et de les transmettre au conseil d'administration pour décision. Toutefois, le comité de gestion peut, sur les cas de faute légère, prendre des sanctions ne dépassant pas la réprimande. Il en fait rapport au conseil d'administration, indépendamment d'un recours contre cette décision que le condamné peut entreprendre. Il fait son rapport d'activité trimestrielle, semestrielle et annuelle au conseil d'administration. Réunion. Le comité de gestion se réunit chaque vendredi et propose au conseil d'administration pour approbation les règles de son fonctionnement interne. 4. Quatrième organe. Le doyen. Le doyen assure la coordination du fonctionnement de tous les services de la faculté. Il veille au respect des statuts et règlements de la faculté, au bon fonctionnement et à la discipline et à l'essor de la faculté, à la formation académique, pratique et spirituelle des étudiants. Il convoque et préside les réunions du conseil de gestion et des conseils de faculté dont il est de droit président. Il tient les membres au courant des décisions du conseil d'administration. Il représente la faculté devant les autorités religieuses, académiques et politiques nationales. Quant à la représentation internationale, elle se fera sur avis du conseil d'administration. Il présente un rapport trimestriel général sur le fonctionnement de la faculté après avis du comité de gestion. Aumônerie. L'aumônier dépend du doyen et traite toutes les questions disciplinaires extra-administratives conformément aux dispositions des principes et méthodes de l'Église kimbanguiste. Il est le maître en matière de conseil spirituel. Il veille à la discipline dans le cours ainsi que dans les services de culte. La JMPR est dirigée par un comité élu par les étudiants. Elle rend compte de son fonctionnement
au doyen avec copie pour information au conseil d'administration. Cinquième organe, conseil de faculté. Composition. Le conseil de faculté est composé du doyen, du secrétaire académique, de l'administrateur du budget, des professeurs ordinaires, des professeurs et professeurs associés, de deux représentants du personnel scientifique, de deux représentants du personnel administratif et technique, de deux représentants des étudiants. Concernant les professeurs à temps partiel, ils peuvent assister aux réunions du conseil. Ils ont une voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question se rapportant à leur engagement, à leur enseignement, et ont voix consultative dans les autres cas. Attribution du conseil de faculté. Le conseil de faculté exécute les décisions du conseil d'administration et du comité de gestion. Il délibère sur toutes les questions intéressant la formation des étudiants. Il adopte le calendrier académique de l'année, le nombre d'heures attribuées à chaque cours, l'horaire de cours, le calendrier d'examen et délibération, la création d'un ou des jurys d'examen, la création d'un ou des départements. Il propose au conseil d'administration l'engagement, les promotions, la nomination et la révocation du personnel administratif et technique de la faculté. Il évalue la performance et la compétence des assistants. Il propose au conseil d'administration les orientations sur le programme doctoral appliqué à la faculté et évalue le progrès des recherches. Il étudie les questions relatives à l'équivalence des diplômes ou programmes d'études et soumet les conclusions au conseil d'administration. Il vérifie et apprécie la valeur scientifique de toute publication. Il fait son rapport d'activité au conseil d'administration. Réunion. Le conseil de faculté se réunit tous les premiers mardis du mois sous la direction du doyen de la faculté. Il détermine le mode de l'exercice de cette attribution par un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation. Sixième organe, secrétaire académique. Le secrétaire académique coordonne les activités des départements dont il a la charge et s'occupe des problèmes académiques. Il convoque les réunions du conseil des départements et en établit les comptes rendus. Il publie le programme et horaire de cours ainsi que le calendrier académique rapportant au point 6, au sixième organe, s'il vous plaît, c'est-à-dire secrétaire académique. Le conseil des départements. Composition. Le conseil des départements est constitué du personnel académique, des chefs de département, d'un représentant des professeurs, d'un représentant des chefs des travaux et d'un représentant des assistants. Attribution. Le conseil des départements est l'organe de conception et de révision des programmes d'enseignement et de recherche qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration après avis du conseil de faculté. Il s'occupe de la mise en pratique des programmes, des cours et organise les réunions scientifiques. Il planifie la formation du personnel académique et scientifique et présente au conseil d'administration les propositions des sujets de thèse, les proportions des sujets de thèse, de mémoire et de travaux de fin d'études, de graduat et de licence après avis du conseil de faculté. Il propose l'ordre du jour du conseil de faculté en matière d'enseignement et de recherche. Deuxième point du sixième organe, les départements. La faculté comprend quatre départements. Département de théologie. Département de l'Ancien et du Nouveau Testament, département d'histoire et religion, département de recherche, bibliothèque et archives. Le département regroupe les matières à enseigner ou les activités qui concourent au même but et ayant des objectifs spécifiques similaires et généraux. Le département est présidé par le chef d'un département, secondé d'un secrétaire de département. Septième organe, le secrétaire administratif. Le secrétaire administratif coordonne toutes les activités administratives de la faculté et fait rapport au comité de gestion par l'entremise du doyen. Il supervise trois services, à savoir le personnel, l'intendance et le diaconat. Service du personnel. Il supervise trois bureaux, recrutement, paiement, bourse et contentieux. Service de l'intendance.
il supervise 3 bureaux, transport et construction, boulangerie, taillerie et cantine, centre de santé. Le diaconat, il supervise le logement, la restauration et l'accueil. Huitième organe, administrateur du budget. L'administrateur du budget élabore les prévisions budgétaires de la faculté et veille à leur stricte exécution. Il est chargé de rechercher les voies et moyens en vue de doter la faculté de nouvelles ressources financières et en faire apport au conseil d'administration par l'entremise du doyen. Il présente un rapport hebdomadaire au comité de gestion et un rapport mensuel et trimestriel au conseil d'administration par l'entremise du doyen. Il accompagne et assiste le doyen dans toute représentation de la faculté à caractère financier, notamment pour la défense des prévisions budgétaires devant le conseil d'administration ou ailleurs. Il supervise 3 services, à savoir budget, comptabilité et trésorerie. Premier service de l'organe, du 8e organe, c'est-à-dire administrateur du budget. Le service du budget est chargé de la préparation des éléments de l'élaboration des prévisions budgétaires, la comptabilisation des imputations aux comptes budgétaires, tant pour les recettes que pour les dépenses, en vue d'en dégager les écarts en comparant les prévisions aux réalisations. Le service de la comptabilité comprend la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Service de trésorerie, il comprend la caisse et la banque. Il est chargé d'enregistrer les opérations relatives à la caisse. Par conséquent, il passe ou fait passer des écritures comptables relatives aux entrées et sorties des fonds. Tenir à jour le livre de caisse des recettes et des dépenses. La caisse est subdivisée en 2 cellules, la caisse de recettes et la caisse de dépenses. Le caissier travaille en étroite collaboration avec les services de comptabilité sous la responsabilité du service de trésorerie. Le caissier est chargé de présenter à l'administrateur du budget la situation journalière de caisse visée par le chef de trésorerie. En vue d'assurer le fonctionnement harmonieux de tous ces organes et de tout le succès de ces réformes, son éminence Dangyena Kontima a approuvé les propositions suivantes qui aujourd'hui sont déclarées comme étant des décisions de nomination. Vice-doyen exerçant les attributions du doyen titulaire ainsi que les attributions du président du comité de gestion et du président du conseil de faculté, le docteur Zola Mululendo. Le secrétaire académique, ainsi que toutes les attributions qui ont été définies tout à l'heure, a été nommé en la personne du docteur Dikundwakila. Le secrétaire administratif chargé de coordonner les services qui vient d'être décrit ci-dessus a été nommé à la personne de Binga Bingila. L'administrateur du budget, ce poste a été confié à titre provisoire à un membre du conseil d'administration en attendant la nomination du titulaire que son éminence n'a pas encore fixé. Et cet administrateur se trouve être la citoyenne Nkenge Luseki. Les chefs des services qui dépendent de 3 rubriques, des 3 services, secrétaire académique, administratif et administrateur du budget, eh bien, les personnes suivantes ont été nommées par son éminence pour exercer les fonctions de
responsable du personnel, ainsi que toutes les attributions y dévolues, en la personne du révérend Zeyi Ndingambote. Les services de l'intendance, en la personne du révérend Toko Diaswekwa. Les services de diaconat, en la personne du révérend Panzu Kiluiba. Le service du budget, en la personne du révérend Kadi Bingana. Les services de comptabilité, en la personne du révérend Tusevo Luyambola. Les fonctions de trésorier, en la personne du Chombo Kamboji. Les services de caissier, en la personne du révérend Kembo Dillon. L'aumônier désigné par son éminence se trouve être le révérend Diaconois, mais son éminence a immédiatement adjoint un intérimaire en la personne du révérend Kanzu. Je vous remercie de votre attention et j'invite le doyen à prononcer le discours académique. À l'honneur de l'ouverture de l'année académique 87-88, Son Éminence, président du conseil d'administration et membre du collège, responsable de mouvement, distingués invités, professeurs et assistants, étudiants et fidèles kimbanguistes, la faculté de théologie kimbanguiste vient vous souhaiter la bienvenue sur son campus. Par cette même occasion, elle vous signale qu'elle vient de placer cette rentrée académique historique avec la présence de nouveaux doyens au décanat sous le signe de la continuité dans le renouveau. Cette continuité dans le renouveau est pour moi une façon de reconnaître les mérites de mon prédécesseur, le professeur Docteur Marie-Louise Martin, de nationalité suisse, qui est restée longtemps à la tête de notre faculté et qui a rendu un travail appréciable au point d'en faire un véritable creuset de la réflexion théologique de l'Église kimbanguiste. Renouveau ensuite, c'est parce que la faculté de théologie kimbanguiste, avec un cadre zaïrois à la tête, doit répondre aux réalités immédiates de l'Église et aux exigences du pays. C'est ce qui fait intégrer la faculté totalement au sein de l'Église kimbanguiste. Pour une idée claire et simple de la faculté, je vais me résumer sur 5 points essentiels qui font l'objet de ce discours académique. Point 1, organisation interne de la faculté. Point 2, but de la faculté. Point 3, ses méthodes. Point 4, son fonctionnement. Point 5, sa perspective d'avenir. Organisation interne de la faculté. La faculté de théologie kimbanguiste est organisée de manière suivante. Tout au sommet, nous avons Son Éminence d'Anguienda Kuntima. Puis vient le conseil d'administration. Puis le comité de gestion et puis le doyen. Le secrétaire académique, le conseil de la faculté, le secrétaire administratif, l'administrateur au budget, l'aumônier et le dirigeant de la GMPR prêtent la main forte au doyen. Après cette pâte tournante, viennent différents services tels que la comptabilité, la construction, la boulangerie, la diaconie, le transport et la santé. Ce sont là des services administratifs et techniques. Du point de vue académique, nous avons le département de l'Ancien Testament et du Nouveau, de la théologie, de l'histoire du kimbanguisme, de religion et de philosophie,
et la bibliothèque. En ce qui concerne le corps professoral pour l'année 87-88, à temps plein, nous comptons 11 unités, dont 6 assistants avec licence en théologie, qui travaillent sous le contrôle de professeurs, et nous avons 5 professeurs avec doctorat à thèse. À part du staff à temps plein, nous avons reçu une visite pour un semestre du couple Balz, qui est professeur à l'Université de Berlin, en Allemagne fédérale. Monsieur Balz est docteur en missiologie et sa femme, Madame Cauchois, est docteur en Ancien Testament. Tous deux avaient déjà travaillé au Cameroun pendant 10 ans. Pour nos professeurs, nous avons le professeur docteur. Bandimi nangai bajali mi.